De la puissance des vœux. Mais vendredi à propos, on a dit qu'il y a
organisant la tête pour la bataille. Et chaque matin, j'ai abordé le thème sur comment vivre le succès par intérieur. Au fond qui va casser le roi, trois clés majeures. La vie va fond, la vie sainte, la première clé, c'était de vivre, d'expérimenter la présence de Dieu. Au pire, après, mon aux alliances. On a été la présence de Dieu sous quel angle. Qui aux alliances dans le néminé. Vous voyez, la bénédiction de Dieu plutôt. Il pas aux alliances dans l'autre angle. Alors le néminé avantage. Dieu veut bénir quelqu'un. Dans mon sang, il n'y a pas pour la première fois, Dieu lui donne sa présence. Il y a des choses qui vont baisser aux alliances. C'est même le signe de la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de personne. La tête, c'est bon. On vit également. Le bon Dieu nous donne sa parole. Ça va préciser sur les domaines. Nous avons ici, c'est une bénédiction. Et ça n'est pas bon pour la mission. Méditer la Bible, mettre en pratique. C'est dans la vie de la mission. Mais fait qu'au ciel, avant la mission, ils avaient ce qu'il y a au fond des promesses de Dieu. De la Bible, la tête, ça fait voir les promesses de Dieu et y croire. Et ça vaut tout là pour soi, mais la caille, ça fait pas son chiffre là. Ça ne dépend pas de la réalité. Et t'as dit, ma caposo qui t'a dit, c'est ce que Dieu a promis de faire. Et de la salle dans la caille pour ça là, à ton salle à l'époque. La bénédiction de Dieu, nous avons également la puissance de Dieu. Mais tu vas dire, Gouya, ça peut faire ça. La puissance de Dieu, c'est la capacité de produire des résultats. Gouya, ça peut dire, ma copie à ton ta maman. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, même si il m'a au de ce que vous pensez. A vu que ça là, la carte, ça a vu son collègue, pour le truc de son canisme. Deuxième clé que nous avons vu, pourquoi la palette de pour la vie, c'est le travail. Et ça qui pour ça là, on ne peut pas expérimenter la bénédiction de Dieu. Au copie, car le bon WhatsApp était le succès, au fond, le cas, on ne travaille pas. Ceux qui ont son salaire, le travail, au salaire, et nos trois concepts. Et ça là, le légume, ça, on est concept, c'est la créativité. Et ça qui a dit au son courrier, au salaire, l'entrepreneuriat. Koye va kokota na likambo ko sala loko pa son cerveau la tête avoir des idées kokoli sa makanisi na kokopi sa makanisi na tous un concept mais ami balé c'est mettre l'ordre dans sa vie vous avez kotia alima na bobo na le tout ce qui est désordre le bon dans son boulot chaque chose à sa place et donc on est là pour faire des cicla la chose c'est un ordre de priorité ko sala va kambo ko la ko isa ni bosu ko c'est un concept mais ami ça tu la productivité koye va kokoti ça va être productif. Lorsqu'on est inutile, Dieu va nous arracher. Ce qu'on utile, n'a pas beaucoup. Chacun de nous est utile. Mon corps va passer au tout. La troisième clé que nous avons. Et pourquoi la mise ça pour donner pour la vie? Pour faire des exploits. On a besoin de réussir. Pour l'homme progresser. Pour qu'il ait des morceaux, c'est la sémence. C'est-à-dire pour l'homme. Et qu'il est important que les enfants de Dieu comprennent. Mais ça vaut tout. Il n'y a pas de ça. La sémence est que pour l'homme est importante. Et ça vaut tout. Il y a une vie l'abondance. Donc, à copier qu'à vos fruits, Dieu qui donne. Ça va passer, ça va passer. Ça commence, nous devons aussi donner. Et c'est lui qui peut tomber ça. Alléluia. Amen. Et on a parlé de plusieurs sortes de sémences. Mais tu devrais dire que le règne est béni à vos fruits. Il y a sa parole de Dieu dans la pratique. On parle de ça, mais ce n'est pas ça. Vive l'abondance. Copier qu'à l'abondance. Premièrement, et au sort, on a parlé de la dîme. Tu devrais dire qu'il y a son. Et le dixième de tout est revenu. Et il y a son. Il y a une chose à donner à Dieu. Et c'est lui qui tombe ça. Tout ce que Dieu te donne. Il n'y a pas donné, c'est fait de toi un vendeur. Sa tête est comme si on pouvait ouvre la porte au diable de détruire ta vie. Mais on pourrait découvrir la sainte la paix. C'est la chose que Dieu t'a donnée. Allié à l'idée qu'on ne s'en va pas. Le 10% n'est pas parti, ça appartient à Dieu. Des déniations que c'est ailleurs que c'est à la deuxième chose, on n'a pas resté les offrandes. Et donc, on dit, il faudrait que ça m'abonne. C'est un qui donne libéralement des biens plus riches. On va s'en faire ça. Là, ce qui vient pas avec ses sapovies. Ou à son bon pas éperdé à son bon pas éperdé. Et c'est un grand secret. Mais ça c'est que l'on va donner. Quand il va copier ça. Qu'il a donné son fils. Ça va l'acquimer, il n'a pas ça qui m'a l'air. Et donné. Mais copier ça. Il va l'importe. Il faut que vous l'avez coupé. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la troisième sorte de sémence. Le vrai qui était dit, le vrai qui a mis ça, tu as un bénisse. C'est-à-dire, oh, il y a Yambo. Les prémices, oh, ça, il y a Yambo. Tout le premier fruit que tu as. Bon, ma libosso, bien sûr. Le premier revenu, ton premier salaire. Sa mère n'est pas libosso, il faut que tu dois dire aussi. Je vais donner à dire. Donc, on peut se faire ça. Cela t'ouvre les clés des ordonnances. Il faut qu'on ait la loi, ma vie, couquer bien sûr. Ça paraît comme déraisonnable. Les ordonnances, il faut les envoyer, les témoins, les bons hommes. Mais ça déclenche la puissance de Dieu. La saison fongola. Le ministère de la scène, de la moisson plutôt. Et pour que Seigneur, bon, ma vie, la soirée, pour peut ça. Dans au lot de la sémence, on a parlé des sacrifices, de vrai qu'il peut me décater, des choses qui te coûtent cher. Je veux dire, mais ça, on tout y a pour d'avoir son président. Abraham a sacrifié son fils. Abraham a cabaté moi. Alléluia. Amen. On a parlé.
parle également des actions de grâce. Il peut construire qui s'en va tomber. Lorsque Dieu t'a fait du bien, lorsque Dieu t'a protégé, être capable de voir le monde de grâce. Que ce n'est pas ton porte aussi, un symbole. C'est très important. Et on en a parlé aussi de le monde. Pour que tu saches
Quels sont ces ennemis-là? Et comment les vaincre? Et je déclare déjà aujourd'hui, tous les ennemis de ta famille seront détruits. On va les abattre aujourd'hui. Écoute d'abord la parole. Après, on va prier. Je dis que tous les ennemis, sans exception, on va prier, on ne fait pas un seul qui va rester caché. Ils seront démasqués. Ils seront détruits. Parce que Dieu est en train de se lever. On a chanté ici que Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Aujourd'hui, tous tes ennemis vont se disperser. Au nom de Jésus. Alléluia. Terrasser les géants. De sa famille. Ou encore vaincre les ennemis de sa famille. Terrasser ses rois, c'est détruit. Terrasser ses vaincres. Renverser. Jeter à terre. Abattre. Détruire. Les géants, c'est qui? Et l'homme est allé. À la pensée de Dieu. Les géants, ce sont des hommes forts. Ce sont des ennemis. Ma volontaire. Qui se lève pour bloquer ta vie. Dieu veut que tu aies l'accélération. Les ennemis viennent mettre le frein. Aujourd'hui, on va lever le pied là sur le frein. Pour l'accélération. Et dans la pensée de Dieu, la famille est la base. La base de la société, la base de la nation, la base de ta vie. Tu n'es pas sorti d'un âme. Frère, ta soeur, viens de côté. Tu as des fois l'impression qu'ils sont d'un âme. Oui, ils sont descendus du ciel. Frère, à part Adam qui a été créé, tous les hommes qui viennent sur dans ce monde, ils sortent d'une famille. Et tu ne peux pas négliger ta famille. Il y en a même qui ont perdu le membre de la famille. Mais Dieu, dans son amour, et non le père des orphelins, et le défenseur de veuve, va s'organiser pour te donner une nouvelle famille. Et la famille spirituelle, dans les deux cas, c'est la famille. Que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille spirituelle, c'est la famille. Et Dieu tient à la famille. Dieu compte sur la famille. Amen. La famille est très importante. Et le diable, l'ennemi, fait tout pour détruire la famille. La famille est notre force. La famille, c'est ça notre soutien. La famille, c'est notre pilier. La famille, c'est le seul endroit qui va permettre à ce que tu puisses développer ton potentiel. La famille, c'est le seul cadre où tu peux te sentir aimé et aimer les autres. Chacun de nous, nous devons être aimés. Une personne qui n'est pas aimée, qui n'a pas reçu l'amour, va vivre dans le rejet. Et nous avons beaucoup de dégâts aujourd'hui. Mais analyser la vie des personnes. C'est parce que les personnes n'ont pas reçu l'amour. Les personnes ont été rejetées. Peut-être à partir du ventre de leur mère, c'était des grossesses indésirables. Et l'enfant a grandi avec elle. Peut-être que lorsque l'enfant était né, personne ne voulait laisser l'enfant. Où l'enfant est né, la famille s'est divisée. Il y a eu un divorce. Oui, il y a eu le décès d'un parent. Et le parent qui est resté à épouser notre femme ou notre mari. Et voilà comment le père ou la belle-mère maltraite l'enfant. Et l'enfant est blessé. Et cela devient fatal pour ce père. Ça, c'est la réalité, frère. C'est pour ça que Dieu fait tout pour que la famille soit protégée. Et là, je voulais parler au belle-mère. Si vous épousez un homme, une femme avec son enfant, vous devez aimer cet enfant-là comme votre propre enfant. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Toi, tu fais l'injustice. Tu es en train de détruire la base familiale. Il n'y a pas seulement de l'enfant légitime, mais il y a aussi des
ne sommes pas des enfants vraiment légitimes. Nous avons été adoptés. Les vrais, c'est le juif. Le salut vient de juif. L'olivier franc. Nous sommes l'olivier sauvage. Nous avons été greffés. Si le Père nous a adoptés, pourquoi faut-il le juif d'adopter les enfants de lui? Ça met beaucoup de blessures. Voilà pourquoi vous le voyez, il vient de chéguer. Et je passe des gens de violence. Prostituées. On vous regarde bien leur vie. Dans mon pays de famille, ils n'ont pas une figure parentale, un père. Ils n'ont pas une mère qui était pleine d'amour pour la couvrir. Déficit d'amour. C'est ce qui a amené la déchéance de la société. C'est le plan du diable. Ça, l'église est là pour confondre le plan du diable. C'est là, c'est là, je suis venu dire à quelqu'un. Si tu n'as pas de famille, la mort c'est ta famille. Si tu n'as plus de papa, ta soeur est ton papa. Ah, si tu n'as plus de maman, maman, celle est ta maman. Dieu est tellement bon que si tu perds quelque chose, si tu perds quelqu'un, il va te le redonner. Oh, merci Jésus. Comme les papas et les mamans que tu nous as donnés. Pourquoi la famille est importante? Pourquoi la famille est précieuse? Pour Dieu de Dieu. Deux raisons. Première raison, la famille est importante parce qu'elle reflète notre spiritualité. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Si tu viens à l'église, tu pleures. J'ai pas entendu toi, Amen. Prendre soin de la famille, c'est quoi? Aider la famille. Donner à la famille. Discipliner aussi la famille. Discipliner. Que des parents qui donnent tout bonbon, gâteau, biscuit aux enfants. Aujourd'hui à Paris, les lois d'abord à Paris, si tu punis ton enfant, soit qu'on fait moi de tout, l'État t'arrête. Bah tu as pour le matin de l'État pas tranquille. Vous allez au Canada, c'est la même chose. Ok, qu'on a le Canada, n'est-ce pas? Frère, ce n'est pas public. Mais ça, la Bible est de ma parole. La parole de Dieu dit comment ça fait que la famille c'est le cadre où les enfants doivent être aussi corrigés, instruits, aimés, aidés, prendre soin. Tu es papa bonheur. Tu ne fais que donner aux enfants des autres. Mais chez toi, tu ne manges que les légumes. Du 1er janvier au 31 décembre, tu es un escroc spirituel.
Quels sont ses ennemis? Mon famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sont des ennemis. Sako. Le premier ennemi. Il y a des ressources. Je l'appelle le diable. Mais il diable. Le diable. Satan. Satan. Satan, c'est le premier ennemi. Mon goût dans les il a brisé. A pépissé. La famille angélique. A pépissé qui les bottes qui angélique. Il était au ciel, Lucifer. A zaki dans le monde dans les ciels. A propos qui il a entraîné le un tiers des étoiles. A mémé bateau et pédé le gamin. Il est toujours dans l'esprit de révolte. A zaka dans le monde. Il est rébellion. Mais il a dit. Et la Bible dit l'Apocalypse 12. Et puis l'Apocalypse 12. Allez à la terre. Et à la mer, mais la maille qui me tient de descendre vers vous, mais des sacs la qui tient par la vie, nous met d'une grande colère. Aïe, la carte n'a pas ça. Sachant qu'il a peu de temps. Aïe, bien sûr, il sait très bien qu'il a peu de temps. Aïe, bien sûr, et son but, c'est la cible, c'est de détruire tout ce que Dieu construit, tout ce que Dieu bâtit, tout de la famille. Le voleur vient pour dérober. Le voleur, la mouille, il vient pour dérober. Il vient pour dérober. Et détruit. Mais pour même il s'appelle dans le Seigneur. Il devait prendre conscience que Satan existe. Que les démons existent. Les occultistes existent. Les satanistes existent. Les sorciers existent. Et ils ont un but. Ils ont une mission. C'est de détruire votre famille. Ils n'aiment pas la famille. Parce que ce qui doit régner dans la famille, c'est l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'unité. Et l'unité, c'est la force. Alléluia. Il le sait très bien. Voilà pourquoi il fait tout pour s'immiscer, pour rentrer et détruire la famille. Il a détruit la famille d'Adam. Il a détruit la famille d'Abraham. On voit clairement comment il a détruit la famille de Job. Job chapitre 1er. Verset 13 à 19. On parle de comment est-ce que Satan avait attaqué la famille de Job. Satan a commis ça qu'il est en un jour, il a tué ses enfants. En un jour, il a détruit ses entreprises. En un jour, il a réussi à rendre Job malade. Quelques fois, la maladie peut être une attaque démoniaque. Pour déstabiliser la famille. Pour avoir des familles déstabilisées parce que la maladie est entrée. Les choses commencent à devenir
se sent pas d'attaque. Donc tout va bien. Qui t'a dit ça? La Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, alors la ruine soutient la parole. Le diable est terrible. Vous pouvez avoir l'impression que tout va bien. Il est en train de préparer un coup. Oh, je suis venu pour la quelqu'un. Tous les coups qu'il a préparés contre ta famille, tes parents, tes enfants, nous allons détruire ça aujourd'hui. Je dis, nous allons détruire ça aujourd'hui. Tu as l'impression que tout va bien. Mais il avait déjà préparé un accident. Peut-être qu'il a sorti les ennemis. Peut-être dans la semaine, un plan du démoniaque. Et ça, il a été ça. C'est bien que tout le monde mourra. Mais tu vas mourir selon le temps de Dieu. Et selon l'ordre de Dieu. Non, tu n'as pas bien compris. Moïse, il est mort selon l'ordre de Dieu. C'est-à-dire qu'on est mourir. Je ne sais pas avant que mon temps est arrivé. Comme il est nous a quitté, il savait que ce temps était arrivé. Il a eu le temps de préparer la relève. Il a eu le temps de tout revoir. Donc il y a des mots suivis. Non, je ne crois pas à ça. Ça, c'est le plan du diable. Tu ne mourras pas sous du plan. Tu ne mourras pas sous du plan. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ceux qui sont contre l'autre côté, vous rejoignez. Ah, yes, ainsi,
bien notre famille. Tu es un évangéliste connu. Tout le monde te connaît dans les marchés aujourd'hui. Mais dans ta famille, tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu n'as jamais invité quelqu'un à l'église. Amen. Évangélise ta famille. S'il y a des conversions, c'est la fin de ta famille. Troisième ennemi de ta famille. Les mauvaises fréquentations. Les mauvaises relations. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont mal entourées. Regardez ce que la Bible dit. Donc, Somme 1. 1 à 2. Donc, Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. La mauvaise compagnie, c'est le conseil des méchants. Les gens qui sont qui ont un mauvais cœur. Les méchants, ce sont des pécheurs. Des gens qui vivent dans l'iniquité. Ils sont pervertis. Ils vivent dans la corruption. Les moqueurs. Les mauvaises relations, ça va pourrir ta famille. Tellement les familles ont été détruites parce que papa ou maman a invité son ami. Quand nous voyons pas aujourd'hui, quand tu es ami à quelqu'un, tu dis vraiment c'est mon ami, ma copa. Et le jour où tu n'es pas là, c'est ta copine qui vole ton mari. C'est pourquoi ouvre tes yeux. D'abord, la mission. Regarde ton ami, dit, ouvre tes yeux. Ensemble. Même le culte familial.
enfants. Fais de tes enfants tes amis. Ils te pourront s'il y a un petit, quel homme qui est en train de déranger ta petite fille de 12 ans. Alléluia. Et tes hommes de caractère. Enfant de Dieu. Faites le bon choix de vos amis. Là où un ami ne s'impose pas, on le choisit. Oh, moi j'ai décidé de ton ami. Je n'ai pas choisi. Sur quelle base toi et moi être amis? Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble? Quand on te regarde et on me regarde, c'est le jour et la nuit. Jamais, jamais. Comment tu peux avoir un ami? Un ami qui comprend ta femme. Non, ta femme est jolie. Ta femme a fait la tire l'âme. Moi je vais te regarder. Attention, je suis un agneau. Mais je suis aussi un lion. Génération. Malédiction jusqu'à 4 générations. Mais si je suis de la
deuxième génération, au nom de Jésus, vous êtes cette malédiction. Ah, pour que je sois béni, je suis venu pour la terre. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, avec la malédiction. Troisièmement,
les calomnies. Les calomnies. Lorsque tu parles du mal des gens, dans le but de nuire à leur réputation, tu vas salir son image. Tu veux que les gens ne paient confiance en lui. Ça détruit. Quand tu calomnies, tu deviens un fils du diable. Quatrièmement, les médisances. C'est lorsque tu dis des choses qui sont vraies. Mais dans le but de salir les marchands. Quelqu'un vient te voir. Il dit mon frère, ma soeur, prie pour moi. Je suis tombé dans le péché. Que Dieu me relève. Même la sœur que je voyais. Et tu commences maintenant à dire aux gens. Oh, la sœur là. Mais c'est un tombé pour me servir. Il tombe. Tu as dit la vérité. Mais pas l'intention. C'est le oui. Et quelqu'un qui est dans les médisances. Quelqu'un qui est dans les médisances. Quelqu'un qui est dans les médisances. Ne sait pas garder le secret. Quand on ne garde pas le secret, la famille ne peut pas subsister. Dans chaque famille, il y a des choses qui ne vont pas. Mais on ne salue pas sa famille dehors. Je ne peux pas venir voir le pasteur. Pour qu'on puisse t'aider. Tu commences à parler à tes copines. Ah, moi, déjà, ça fait mal. Ah, comment ça t'a dit? Tu es en train de détruire ta famille. Oh, tu n'as pas dit amen. Ne parle pas. Tu vas parler à ta belle famille. Tu vas parler à ta famille. Non, frère. Tu es en train de détruire. Tu baisses l'estime de ton époux, de ton épouse. Qui dit ça, qui l'a moi si la multitude de péchés. Ah, on ne peut pas ma soupe. Il faut aimer sincèrement. Alléluia. Amen. Les paroles de malédiction. Beaucoup de gens parlent mal. Ils maudissent. Est-ce que toi dans ta vie tu m'achèteras même une paire de chaussures? Tu n'as pas dit ça à ton enfant. Tu es en train de lier l'esprit de pauvreté à l'enfant. Y a-t-il des parents ici? Y a-t-il des parents de moi? Je voulais te dire, en tant que parent, tous les jours, donne une dose de bénédiction à ton enfant. Dis à ta fille, elle est la plus belle. Quand son papa lui dit qu'elle est la plus belle, aucun copain ne peut l'attraper. Parce que pour chaque enfant, les parents c'est un héros. Dis à ton enfant, tu es un champion. Tu es un homme riche. Moi, mon petit qui a 11 ans, si vous entendez, il m'a dit, moi, quand je serai grand, je vais acheter un jet plus grand, papa. Bon, j'ai l'impression que tu doutes encore. Il y a des gens dans ce monde, ils ont 4 jets. Avec la dimension, l'accélération de l'œuvre missionnaire, j'en veux quitter Paris en jet privé, je viens juste de 3 jours à Kisaka déjà. Au lieu d'avoir des complications de l'Éthiopie, je suis venu dire à quelqu'un, il y a une dimension qui est en train d'arriver. C'est pourquoi, là où toi tu as échoué, prophétise sur tes enfants. Ah, je suis en train de voir quelqu'un. Jamais que les bébés vont dans le ventre. Ah, tu prophétises. C'est en toi, c'est l'endroit. C'est en toi, c'est le président. C'est en toi, c'est l'assassin. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi. Son père. En réalité, tu as visé le père.
bénédiction dans la vie des enfants vient de deux manières. Premièrement par la sorcellerie. Deuxièmement par les mauvaises paroles des parents. C'est pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, aux sacrificateurs, vous devez bénir le peuple. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il fasse lui sa face sur toi. Quand le pasteur se lève, il dit que Dieu te bénisse. Quand je joue avec ces paroles, attrape-la. Dis amen. Tu verras les effets. Tout vient de la parole. La parole crée. La parole se fait détruire. Que Dieu te bénisse. Le mensonge. Ne mentez pas. Dis la vérité. Ça détruit. Parce que le mensonge brise la confiance. Ça brise la confiance. Ça amène l'irritation. Ça tue. Jérémie 18, verset 18. On parle de gens qui ont voulu tuer Jérémie avec la langue. La langue est des fois plus tranchante qu'une épée qui peut te tuer. Il y a des choses dans la langue de vipère. Quand il te donne une parole, tu vas faire trois jours d'insomnie. Tu dors pas. Tu as une perquise. Et tu as les mille étoiles. Il y a des gens qui sont tombés malades. Des mauvaises paroles, des problèmes de AVC, de santé, problèmes de tension, problèmes de cancer, à cause des paroles. Faites attention aux paroles. La Bible dit ne maudissez pas, bénissez, afin d'éviter la bénédiction. Vous les enfants de Dieu, nous sommes un homme fait du mal, nous le bénir. Quand quelqu'un t'attaque, c'est les prières de charbon ardent que tu mets sur sa tête. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sixième ennemi. Les péchés sexuels. Lévitique 19. La Bible parle de plusieurs comportements négatifs. Je dirais plusieurs comportements illicites du sexe. C'est Dieu qui a créé ça. Mais dans un cadre bien précis. Dans le cadre du mariage. Que le mariage soit nommé de tous. Que le suivi conjugal. Et soit de tous sûrs. À chaque fois que dans une famille, il y a des pratiques sexuelles illicites. Cela donne accès au diable. Pour détruire la famille. À cela j'appelle, je parle de la débauche. Et qu'est-ce que nous voyons dans les familles? Il y a des gens qui se masturbent. Et ils sont seuls et ils sont contents. Ils ont un partenaire sexuel virtuel. Et ces personnes travaillent beaucoup avec des esprits des maris de les femmes de nous et l'un des autres. Sans le savoir. L'impudicité. L'impudicité. Tu n'es pas marié. Et tu vas coucher avec l'homme et une autre femme. Si tu n'es pas marié, tu vas coucher avec un autre homme. C'est interdit. Tu dois attendre le mariage. Tu dois demander à Dieu de te marier. Et ainsi tu pourras pratiquer les rapports sexuels. Sinon tu invites les démons. Et ils vont détruire ta vie. Il y a qui ont dit non. Moi je ne peux pas vivre seul. C'est un danger de dire ça. Si quand tu es célibataire, tu n'arrives pas à te maintenir. Avoir la la continence. Quand tu seras marié, tu n'arriveras plus. Parce que là, tu penses que quand il se marie, c'est bon, c'est pas grave. Ici, tu as parlé, non, ceci. Il n'y a pas une adultère dans le monde. Qui est comme le reste. Il n'y a pas une adultère. C'est parce que justement. Vous allez dans des endroits où des femmes aiment des gens mariés. Une maman est devant 60 ans, elle vient à l'église. Maman, je suis beau, est-ce que tu veux que je sois beau? Tu dis, maman, c'est sûr. Ça va bien pour le côté. Et tu veux tuer le poussin de la neuf. Au nom, maman.
La femme de Potiphar. Moi, c'est Potiphar. Il y en a partout. Parce que Béléa, tu es beau. Tu es joli. Moi, j'ai l'argent. Toi, tu n'as rien. Et cette fois, c'est moi. Personne ne saura. Avant, mais Dieu voit. Ah oui, Dieu voit. Une seule fois, c'est moi. Mais le seul voit. Ta conscience aussi est là. Fuyez la publicité. Pourquoi tu voulais nous fuir la publicité? La Bible ne dit pas résiste. Résiste au diable. Je suis marié. Et je suis venu dimanche. J'en ai parlé devant toute l'église. Je n'ai pas cité son nom. Il fallait la protéger. Mais je dis la prochaine fois, si tu oses, je vais citer ton nom. Et dit le pasteur a été dragué pendant cette semaine. Et regardez, j'ai mon alliance. Je suis marié à une seule femme. J'en aurai jamais d'autre. C'est un moyen de briser la fiance de Jézabel. Tu ne mourras pas. On va mettre Jézabel. La team, ma frère. Ma soeur, mais toi, un homme te donne un rendez-vous à l'hôtel. Donc, si tu prie le Saint-Esprit, et tu pars, okay. Le Saint-Esprit ne te dit pas. Oui, moi, ça te dit sur tes conquêtes. À l'hôtel. À l'hôtel. À l'hôtel. À H. À l'hôtel. À H. Alléluia. La toute terre. L'homosexualité. Ça devient normal aujourd'hui. Mais comme il m'a vu son Et ça dépend de famille. J'étais au Gabon il y a quelques années. J'ai vu une pratique qu'on appelle le mwiti. Je ne sais pas si quelqu'un t'a été au Gabon ici. Les parents, la plupart des gens qui sont dans le mwiti, ce sont les gens du pouvoir. Chaque soir, ils doivent coucher avec leur propre vie. Pourquoi ils sont allés à la canne? Si vous imaginez le décalé, c'est la bestialité. Tout ça pour avoir l'argent. Que ton argent périsse avec toi. Si vous êtes là, pour avoir une promotion, tu dois coucher avec tes patrons. Tu dois refuser. Si tu es là, on te dit que si tu couches avec ton patron, homme, femme, tu vas devenir directeur de la boîte. Refuse. Laisse ton manteau là. Laisse ta tunique là. Si t'as préparé une autre tunique, c'est le nom de Joseph. Alors si tu savais, le jour où tu as donné à Joseph la tunique du ciel, même la femme de Pharaon ne peut plus faire se prosterner. Comment un béni viendra se prosterner? La Bible dit parce que tu as peur de puissance. Parce que tu as peur de puissance. Tu as gardé ma parole. J'habite devant toi. Une porte ouverte. Que personne ne pourra fermer. Les gens de la synagogue de Satan. Ils viendront se prosterner. Et reconnaître que Dieu est avec toi. Sous couvert de bénéfices. Oh, nous avons un bénéfice dans ce moment-là. Vous allez détruire votre famille. Vous allez détruire. Le péché de David a ouvert la voie à l'inceste. Et le soumat à vous, les fumeurs qui disent là, dans sa famille. La bande de commandes de la casse à l'école. Aujourd'hui, en Europe, c'est grave. Et là, la police a beaucoup. Les gens cherchent, ils sont en train de demander qu'on vote une loi pour épouser leurs chiens, leurs animaux. Parce que là-bas, voter pour Béco. Bientôt tu vas voir une femme qui marche dans un avec les chiens. Et ils vont voir le bourgmestre. Ni nous,
Veux-tu prendre Père pour épouse? Et comme il n'est pas païen, il a droit à Madame, voulez-vous prendre Milou comme épouse? Du sujet de fidélité? Ça peut nous faire rire, mais c'est grave. Et quand c'est mis à mission, c'est ça, très classe. C'est ça, mon camp. Bientôt, on nous lance. Calaté dans le monde. Ça, c'est notre vie. Bon, on vote. Je vous annonce déjà. Et c'est notre bon camp. Dernier ami. On va dans sous camp. Tiens avec moi l'orgueil. De la profonde. L'arrogance. Comme il m'en a. L'impolitesse. Qui est impoli. Exode 21, 17. Exode 21, 17. Ça, je vais venir ça. Exode 21, 17. Et puis, vous allez lire aussi. Exode 20, verset 12. Exode 21, 17 nous dit ceci. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens impolis. Ils sont spirituels, mais impolis. Ils parlent en langue, mais impolis. Ils chassent des démons, mais impolis. Mon frère. Tu vas détruire ta vie. La vie est trop courte pour que tu la détruisses aussi facilement. Il faut que tu puisses à savoir honorer son père et sa mère. La vie honore ton père et honore ta mère pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui tapent leur maman. Les enfants qui tapent leur papa. Parce qu'il a fait le sport. Frère, c'est une malédiction. Tu m'entends? Il y a des personnes, parce qu'ils ont l'argent, ils méprisent leurs parents qui sont pauvres. N'oublie pas que c'est elle qui t'a porté. Alléluia. Amen. Voici les sept ennemis. Il y en a plusieurs. Mais ce matin, je veux juste prendre les sept. Et toi, on va le faire ensemble. Nous puissions prier. Si quelqu'un est venu à garder le téléphone, je vais prier juste un deux, trois minutes. Je vais prier avec vous, c'est bon, je vais rapidement, c'est bon. Vous êtes au Et puis,
La visitation de Dieu, que Dieu enlève ses ennemis,